Hey, salut à tous, c'est Adrien, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Okami, j'espère que vous allez bien, moi ça va. C'est pour l'épisode numéro 11 aujourd'hui, on se retrouve pour aller affronter le donjon de Kasku Harding. Parce que, voilà, petit soleil. Merci. Et donc pouvoir y aller avec la beauté du soleil. C'est parti. Donc, allons-y. Okami. Cascardin, les chiens, je sais plus comment qu'ils s'appellent. Ah bref, vous avez pigé. Non. Non. Objet. Hop, une petite pièce de sirène. Plouf. Et on va se téléporter à l'endroit le plus proche du village. Puf. Dire la campagne de Takamiya. Théoriquement, on va arriver juste en dessous du village et c'est là qu'on veut aller. Ah, je vais manquer du démon. Manquer du démon. Je le veux. Ah, merci. Hop là. Ah, je peux encore le pouvoir du vent, je crois. Bref. Vers où dois-je aller? Je sais plus du tout où attendez. La carte. Derrière. Ouais, c'est vite vu. Donc j'aille par là-haut. Miu, plouf. Fuck you. Plouf. On y va. Ah, oh, bordel. Ah, je peux pas. Allez. Putain, t'es pas cool. Hein. Ah, enfin bref. Donc, second donjon. Je sais pas du tout à quoi je suis censé m'attendre là. Je sais pas si ça va être un donjon comme le précédent qui est quand même assez simple, hein, on va pas se mentir. Ou un donjon à la Zelda où il va falloir se creuser un peu la tête, chercher des clés pour machin. Bref. Et j'arrive au village, parfait. Ah, crawl démon, please. Fuck it. Meurs en enfer. Va des rétros, salace. Ah bon, mais voilà. Je dis que j'ai vers... Merde, j'ai oublié son prénom à l'autre. Bref, vers la fille à qui on a ramené les chiens Satomi. Les guerriers Satomi. Bref, vous avez compris. Maintenant que je suis en mode Sonic le hérisson. Et il n'y a personne. Est-ce qu'elle est là-dedans? Voilà mon loup favori et sa puce. Ça suffit avec cette puce! Il y a quelque chose qui me chagrine à propos des guerriers restants. Lui-même, je sens qu'ils ont changé. Tu n'as même pas de nouvelles d'eux? On a trouvé les trois derniers, mais. Tu les as retrouvés? Oui, mais. Simplement expliqué, ils ne reviendront pas. Mais ils nous ont donné leurs ordres à Satomi. Je vois. J'avais bien prédit qu'ils avaient changé. T'as changé, mec! Je sens qu'ils ont de nouveaux engagements importants. S'ils doivent se séparer de la maison Satomi, je n'ai qu'un désir qu'ils servent loyalement à leur nouveau maître. Et qu'ils restent sur la paix, car c'est là leur devoir. Bon, tous les pouvoirs sont là. Peut maintenant être brisé. I got the power! Se mettre à tourner autour de nous. Comment? C'est impossible. Ça signifie que les orbes ont fait de vous leur nouveau maître. Nouveau maître? De quoi tu parles, fillette? On ne choisit pas de contrôler les orbes. C'est elles qui vous choisissent. Ô puissant orbe héritier de la maison Satomi, est-ce bien ces deux compagnons que vous avez choisis? Oh, bitches, please. Et ça veut dire quoi du coup? Cascardin, est-ce qu'ils vous ont choisi? Ok. Moi j'ai da question existentielle. Où est le donjon? Je pense qu'il est juste après. Ça paraît très logique.
l'île du rêve. C'est ça? Putain, j'aime pas. Le sanctuaire du vent. Ça doit être ça. On a un vieux 1,5D. Technique secrète de Sono, le sieste du sac est sacré. De quoi? Qu'est-ce que Papy Sono fait ici? Si on se modifie des mondes de pacotille, il m'a pas fallu longtemps pour comprendre ton petit numéro. Et c'est au sanctuaire du vent là où ça m'a fait venir qu'il y a rien, hein. Oh, un esprit. C'est qui celui-là? Il est transparent. Qui es-tu? Comment peux-tu me voir? Je suis Yatsufuka Fusa, l'esprit des grands de son domaine. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas eu de compagnie ici. Même temps, si t'es un fantôme, mon grand, je pense pas que grand monde puisse te voir entre nous. Désolé de te décevoir, quoi. Esprit gardien Yatsufusa, mes yeux me font défaut, je suis presque aveugle. Mon œil spirituel me permet de voir la forme réelle des gens. Tu es une bien belle, jolie jeune fille. Que fais-tu dans un endroit pareil? Ça passe à cet endroit, les dieux ne le protègent plus. C'est son repère. Jeune fille, il parle de toi, boule de poil. Waouh, c'est trop drôle. C'est donc, tu as un asticot sur la tête, mademoiselle. Si c'est un signe, l'existence du village arriverait donc à sa fin. Un asticot? Mais de qui il parle là? Bien. Bien peu viennent encore visiter le sanctuaire du vent. Depuis cette élection, on ne voit guère que ce type bizarre. Il reste là à méditer seul à l'entrée du temple. Qui le terrorise. Il se pauvre diable, mais lorsque je tente de mettre dans ses rêves, une force mystique me repousse. Qui est-il donc? On parlait de sa possession, non? Et depuis qu'il a découvert Shinada, il agit un peu bizarrement. Je sens un grand pouvoir. Il entoure ton corps. Serait-ce la même Satomi? Jeune demoiselle, l'emblème n'aurait choisi que notre sauveur. C'est difficile à croire, mais les 8 couleurs en sont pourtant la preuve. Je te laisse donc passer sauveur de la maison Satomi. Bitch! Glup! Prends garde, demoiselle, Cascardin est redoutable. La légende dit que lorsque le serpent à 8 têtes fut détruit, il y a 100 ans, Cascardin émergea du sang de la bête. Sois bien prudent. Susano! Attendez-moi! J'ai entendu un appel des Camille, ils ont besoin de moi. Et je réponds présent, tu peux trembler, démon, car voici Susano! Oh, dans quelques batteries, il va se foutre encore. En tout cas, on va le voir dans 2 minutes. Wow. Quelque chose me dit qu'il faut passer dans le monde. Attendez, si je traverse cette porte, j'ai pas accès à un monde particulier déjà. T'as fuck. On va aller voir là-bas vite fait. Ça m'a pas l'air d'être une porte démoniaque normale, ça. Ah non, c'est juste qu'une nouvelle ennemie. What? Oui, oui. C'est tout? En fait, il est super solide comme ça, mais... Il va y en avoir d'autres, je suppose. Ah non. Ok. Cette porte des ténèbres était bien... simpliste. What? Je suppose que j'ai besoin de la clé. Bon, moi j'avance plus vite que le donjon ne voudrait que je l'avance. C'est génial.
C'est génial tout ça. C'est quoi ça? Bon moulin. Je suppose que je vais apprendre le pouvoir du vent dans ce donjon. Entre là, non, me sers pas ta clé, s'il te plaît. Non, je tiens ma vie. Moi, j'ai un peu de place. J'ai réservé assez de place pour. Yeah. Bim. Cling. Sésame, ouvre-toi. Je fais un petit tour. Hop. Après, j'ai mis du temps à me rendre compte que les objets me suivaient une fois que j'avais cassé le truc. Bref, on avance. Wow. Oh! Ingénieux système d'ascenseur. Non! N'espère. Fuck my life! Je veux dire, n'espère même pas, mais. Allez! Il a pas l'air super dur comme moi, ce. Waf! C'était un combat obligatoire. J'ai encore mal avec une clé, quoi. Ah, c'était étage, excusez-moi, ne servait qu'à ça. Oups. C'est parti. Oups, il l'avale. Troisième étage. Let's go. Pouf. Oula. Salut. La mienne, ça a l'air un peu moins agréable quand même par ici. Je vais faire un demi-tour, je crois. Non, je déconne. Oh la vache, c'est triste. C'est tout noir. Au moins, on distingue bien ma terrasse. Vous croyez que je vais me taper le boss maintenant? Non, c'est possible, je crois. Je vais me taper le boss maintenant, c'est pas ça le donjon. Oh la vache. Ça c'est un grand moulin. Ça qu'est-ce que c'est ce machin qui tourne en rond devant le moulin? On dirait une brise mais elle est toute noire, beuh, dégoûtant. Une autre direction. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Hop là. Wow. Le vin divin. C'est fini. Maintenant que le vent souffle, le moulin va sûrement
Et nous on est dessus. Mais what about Cascardin? Oui, oui. Ah mon dieu. Il tourne. Regarde à la puissance du vin divin. Souhaitons qu'il chasse le mal qui se dissimule dans ce village. Hein? Une constellation? Ça c'était sûr. Comment ça, je me suis chié? C'est faux. Merci. Fiou. Le cheval. Findus. Lol. Le vent qui s'est pris, quoi. Ah, il est déprimé. Kazegami. Kazegami. Oh, Amaterasu, Kami du soleil, origine de ce monde. Pendant trop longtemps, moi, Kazegami, dieu du vent, je me suis réfugié dans l'ombre en attendant ton retour. Enfin, ta lumière m'illumine à nouveau. Je te confie mon pouvoir. Renvoie en enfer ce qui maudit cette terre. Oh yeah. C'est sûrement le vin divin qui a rappelé le dieu du vent. Tu peux user le pouvoir de Kazegami, vin glorieux. Essaye tout de suite. Ok. Bon, c'est ouvert quand même sur le miniaturier. Bon, il était pas trop c'est très moulin. Quelque part dans le sanctuaire. Ah ah, remuer les terres, très drôle. Le cristal de serpent. Oh, attendez. Yes. Fragment solaire. Un quart de un tiers de cœur. Bref. On y va. Bon, il y a des murs invisibles, heureusement. Non, je serais déjà mort depuis. Wow. Ah, attendez, est-ce que je peux. Mais. Eh, je pense que c'est quoi, ça fait. Oui, ce que je pense, c'est merci. Carte du donjon. Ah ouais. Allons-y. Une petite sauvegarde. Petite sauvegarde. Pour moi, j'ai pas fait beaucoup d'espace. Je pense que je dois resupprimer une partie pour l'épisode suivant. Ça sucks. Oh! Intéressant! Donc on a accès à une toute nouvelle partie du donjon. Nice!
Et un coffre. Le pinceau céleste. Je sais pas, j'ai vu le truc là-bas, mais... Nom d'un pinceau. Regarde ce parchemin géant. Ok. Une perle. Ok. Oh. Ok. Fuck man. Ok, on va essayer de récupérer le petit coffre quand même. Quoi dedans? Service laqué. Aussi un coffre. Et une fleur. Thank you. Saké de la volonté. Bâton d'encre infini. C'est quoi ce bruit? Il y aurait des animaux ici? Où sont-ils? Je suis pas bigleux, j'ai entendu des animaux. Tant pis. On se casse. Toc. Attention, ninja. Fou. Ah, fail. Je le saurai pour la prochaine fois. Ça bug un peu quand même d'un point de vue texture. Comme je disais donc. Hop là. On va y arriver. Pas tomber à cause de ça, s'il vous plaît, ce serait gentil. Un ours en bois. Ah, c'est une torche, d'accord. Bon à savoir. Ok. Bon, j'aurais pensé que ça s'ouvrait ici. On va vraiment, c'est déjà ouvert. Tant mieux, hein. Je ne vais point m'en plaindre. Je sais pas que ça a foutre me plaindre, on va dire. Oh. Ok, c'est clairement tu ne passeras pas, quoi. Bon, c'est clairement je vous emmerde.
Lol, nope. Oh. Ah ouais, carrément, une loading zone. La fois que j'ai... Voilà. La fois que j'ai passé une loading zone, c'était pour affronter un boss. Hmm? Regarde là-bas, Ama. Dans un cristal, il y a la forme d'un fruit. Ushiwaka. L'objet qui fermait. Rachet la barrière d'Orochi. Ouais, bien sûr, et là, il y a Cascardin. Ça, c'était sûr. Ouah, Crocodile. Ce casque écarlate là-bas doit être le fameux casque ardent. Hey, hey, il a pas l'air commode. Prêt à mettre le feu aux poudres, boule de poil. Allez, go. Je sais pas la faire, mais... Oh. Hein? Qu'est-ce que... Ce sont les orbes du clan Satomi, elles vont nous protéger? Ah, c'est pas un... C'est un cheval. Ok. Enfin, mais il a pas l'air spécialement compliqué. Le vent souffle. The Wind Waker. Oui, je fais du placement de produit pour ce qui va arriver bientôt sur la chaîne. Allez. Que le vent souffle. Non. Yes. C'est tout? Non, il y a plusieurs formes. Oh fuck! Oh putain! Hmm? Il y a le faux derrière! Vite, Ama, ne le laisse pas s'échapper! Susanoo! En arrière, sac à puce! Je m'en occupe! À l'attaque! Papy? Qu'est-ce qu'il lui prend? Il va se faire découper en rondelles. Ah bah vite, ton pinceau. Par le pouvoir du pinceau céleste. Non. Ah, il a le faux au cul. Ouch, c'est chaud, c'est chaud. Bah, tu crois pouvoir me battre avec ton feu de pacotille? Yo. Chah. Prends ça. Fla. Oh, et ça. Et ça. Ah non, il y a encore ça. Et pour finir, à la façon Susanoo. Et maintenant, du vent. Comme ça. Oui, encore, encore plus de vent. Ah,
Il est marrant lui. Ah, et ce n'est pas fini. Il est sérieux là? Putain, le mec doit tout faire. T'es sérieux là? Putain! Sérieusement? Oh, on voit ton cul. Je réessaye. Vent divin, réponds à mon appel. Et maintenant, du vent. Putain, t'es sérieux? Ma nouvelle technique secrète, la colère du vent. Oh, pas mal. Bon, faut que je l'aide un peu, mais... J'en étais sûr. C'est au-dessus de mes forces. Les dieux, les Kami, ils jouent avec moi. N'arrêterez-vous donc jamais de vous moquer de moi? Je sais que vous êtes là, je vous entends rire de là-haut. Pourquoi dois-je porter le fardeau d'être le descendant d'Izanagi? Je veux juste échapper à tout ça. Pourquoi me poursuivez-vous? Bah, papy, ça va? Maudit soyez-vous, je ne veux pas de votre aide. Le monde entier peut s'écrouler autour de moi. Je m'en fiche. Assez de ces légendes à la noix. Izanagi peut aller au diable. Laissez-moi tranquille. Oh. Bon. Qu'est-ce que c'est maintenant? Non. Oh. Non, non, allez-vous-en. Cette voix, les uns et les autres, vous me rendez fou. Arrêtez, je ne veux pas vous écouter. Partez, laissez-moi en paix. Oji ? C'était quoi, Ama? En tout cas, je ne pouvais pas l'atteindre. Poink! Oyoui! Le chapelet de vie. Ce chapelet utilise la force de la vie pour purifier le mal. Oh non. Oh, pardon, j'interromps quelque chose? C'est pas vrai, encore ce prophète de pacotille. Hé, hey, mais c'est... Ça? C'est le cristal du serpent, et il est à moi, enfin. T'as un sacré toupet de venir chipper les affaires des autres. On l'a trouvé en premier, il me semble. Hélas, cet objet ne vous servirait à rien. J'ai bien peur que je sois le seul à pouvoir l'utiliser. Vous savez, la barrière mystique, celle qui entoure la cave de la lune, le repère d'Orochi. Oh fuck. Tu m'appelles, petit dragon? J'arrive tout bien à point à qui c'est attendre. Explique-toi un peu. Pourquoi tu vas au repère d'Orochi? Oups, j'ai failli oublier. Une petite prophétie avant de prendre congé. Je vois un rendez-vous charmant avec une jolie fille. Sur ce, prenez soin de vous, mes amis. Et attends un peu. Une minute, merde. La barrière de la cave de la lune. Qu'est-ce qu'il manigance?
Désolé, mais pas le temps d'hurler à la victoire cette fois. Si. Filons d'ici en triple vitesse et fonçons là où tu sais. Alors lui, il est clairement pas net. Il va clairement faire une connerie. Putain, 14 000 Rio. Prospérité pour toi, un petit loup. Bien sûr. Bon, mais vous savez quoi, c'est sur cette sauvegarde que l'on va se laisser. J'espère que cet épisode un peu plus court que d'habitude vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour la suite de Camille. Ciao les gens.